Bonjour à toi, chers spectateurs, et bienvenue dans cet épisode 47 de Coin du Blu-ray. Épisode 47, donc consacré à la lettre V. J'ai pas grand-chose en fait dans la lettre V, pour être sincère. Je crois bien que j'ai que deux films, et c'est les deux dont on va parler. Mais ces deux films qui sont très intéressants parce que s'ils sont diamétralement opposés, ils cherchent tous les deux à traiter de l'Amérique. Dans deux temporalités très différentes, mais ils cherchent tout de même à parler d'une Amérique avec un œil assez acerbe et parfois un œil vraiment critique. Et le film dont on va parler aujourd'hui, qui est de 78, si ma mémoire est bonne, s'appelle Voyage au bout de l'enfer, ou The Deer Hunter, de Michael Cimino. Alors, c'est un peu rigolo parce qu'on a un peu commencé cette série de vidéos en parlant de Michael Cimino avec L'année du dragon, et on va quasiment arriver sur la fin de ces vidéos et on parle à nouveau de Michael Cimino. Ça me fait beaucoup rire. L'histoire, on va suivre trois jeunes Américains qui en fait vont vivre trois grandes étapes, une étape avant la guerre du Vietnam, une étape pendant la guerre du Vietnam et une étape après la guerre du Vietnam. C'est un film qui fait partie de ces classiques du cinéma qui ont un peu perdu de leur aura avec le temps. C'est-à-dire que moi, quand j'étais jeune, Voyage au bout de l'enfer, c'était un espèce de film obligatoire lorsqu'on voulait construire sa cinéphilie. C'est un film qui a profondément marqué à la fois les esprits de nombreux spectateurs, mais également les esprits, tout simplement, de toute une génération. Parce que s'il y a eu beaucoup de films qui parlent très ouvertement de la guerre du Vietnam, il y en a très peu qui ont réussi à vraiment rester avec le temps. Je pourrais vous en citer quatre qui sont vraiment restés dans le temps. Je pense à Outrage de Brian De Palma. Je pense à Apocalypse Now de Francis Ford Coppola, forcément. Je pense à Platoon d'Oliver Stone, qui est vraiment un immense long métrage et que personnellement j'adore. Et je pense à Voyage au bout de l'enfer de Michael Cimino. Pour moi, ces quatre films forment une espèce de sainteté cinématographique traitant de la guerre du Vietnam, mais surtout traitant de l'humain au sein de la guerre du Vietnam. Voyage au bout de l'enfer a la très grande clairvoyance d'esprit de vouloir parler de l'humain avant, pendant et après. Ce que peu de films finalement décident d'aborder, hein. Si vous regardez les trois quarts des films qui parlent de la guerre, la grande majorité du temps, c'est pendant la guerre, point barre. Vous prenez un film tout récent, Des mineurs. Des mineurs a la grande intelligence de nous plonger tout de suite au cœur de la guerre, de nous faire une petite parenthèse pour nous montrer un personnage en dehors de celle-ci, pour nous replonger tout de suite dedans. Ce que Michael Cimino a réussi à faire, que je trouve très intelligent, c'est de créer l'innocence à l'état pur. Créer de l'innocence en introduction de film, la faire perdre complètement en milieu, et montrer une espèce de tentative de la retrouver à la fin. Et c'est cette grande justesse d'esprit et c'est cette grande finesse qui fait que Voyage au bout de l'enfer est un immense morceau de cinéma. Un de ces films que j'ai vu assez jeune, je crois, je l'ai vu, j'avais 13-14 ans. Mais pour autant, il m'a instantanément marqué parce que je trouvais l'imagerie assez hors norme, je trouvais la manière avec laquelle le récit se mettait en place assez folle, je trouvais le geste cinématographique de Michael Cimino rare. Et c'est le premier film que j'ai vu de Michael Cimino, si je ne me plante pas. Juste après, j'ai enchaîné avec L'année du dragon et j'ai ensuite essayé de flirter un peu avec le reste de sa filmographie. Vraiment, les trois films que je garde en tête de Michael Cimino, c'est ces trois-là. C'est L'année du dragon, c'est Voyage au bout de l'enfer et c'est La porte du paradis qui est son chef-d'œuvre absolu, malheureusement, qui a détruit un peu le nouvel Hollywood, sans le vouloir, mais ça restait un monument de cinéma assez hors norme. Mais pour revenir à Voyage au bout de l'enfer, Voyage au bout de l'enfer est un film que je trouve vraiment fort émotionnellement. C'est un film qui est parfois très dur parce qu'il a tendance à traiter avec une vraie brutalité, une vraie sincérité de la guerre, mais surtout des affres de celle-ci. C'est-à-dire que c'est pas uniquement un film qui va nous parler de la guerre et qui va nous dire la guerre c'est mal, le Vietnam c'était horrible. C'est un film qui a vraiment envie de montrer que la folie qu'a générée cette guerre a gangréné la mentalité de nombreux Américains. Et si on ressent ça, c'est également parce qu'il y a une tripotée d'acteurs absolument magnifiques dans ce film. On a une Meryl Streep toute jeune que je trouve assez extraordinaire dans son métrage. On a surtout un Christopher Walken fantastique qui réellement transcende le long métrage et va s'imposer comme l'un des acteurs les plus géniaux de sa génération avec deux films de Michael Cimino, Voyage au bout de l'enfer et La porte du paradis, dans lequel il est également fantastique. Mais surtout, il y a Robert De Niro. Robert De Niro, dans ce film, il impose une prestation très différente des rôles qu'il avait eu juste avant, parce que réellement, avant, il s'était imposé comme le caïd par excellence, notamment grâce à la filmo de Martin Scorsese et à quelques autres de ses rôles à côté. Mais au travers de ce film-là, il arrive à transpirer une sincérité, une émotion, une justesse d'esprit et une finesse de composition que je trouve absolument magique, qui transporte le long métrage et qui le rend vraiment exceptionnel. Mais surtout, encore une fois, c'est parce que Michael Cimino, non seulement et non content d'être un grand directeur de casting, était capable de cerner à quel point un acteur
pouvait donner lieu à une prestation fantastique lorsqu'il était poussé dans ses retranchements. Et la séquence de la roulette russe est à cette image-là. C'est une séquence où on sent que les acteurs sont à bout de nerfs, que réellement il y a eu une envie de vouloir les faire jouer dans des retranchements émotionnels qui soient tellement affectifs que du coup, ils ont vraiment l'impression de jouer leur vie. Et je trouve cette séquence-là symbolise et cristallise parfaitement à quel point Michael Cimino était un immense directeur d'acteurs et quelqu'un capable de transcender la possibilité de jeu d'un acteur pour le faire jouer hors de son champ de possibilités. C'est juste magique à regarder. En termes de bonus, on n'est pas trop garni malheureusement sur cette édition de Studio Canal. Je vous invite plutôt à vous procurer l'édition de Carlotta qui est sortie tout dernièrement, qui est déjà une très belle jaquette, mais au-delà de ça, est bourrée de bonus tous plus passionnants les uns que les autres. Parce que les éditions qu'avait Studio Canal à l'époque, on va pas se voiler la face, elle est quand même... Il n'y a rien en fait dessus. Je vais être sincère, il n'y a rien, à part le film. Et une très bonne définition par contre. Mais ce qu'a fait Carlotta sur les films de Michael Cimino, c'est exceptionnel pour les trois quarts. Donc procurez-vous plutôt l'édition Blu-ray de Carlotta, elle est un peu mieux fournie. Mais en tout cas, au-delà de ça, regardez Voyage au bout de l'enfer ou The Deer Hunter de Michael Cimino. C'est un immense morceau de cinéma qui vous fera forcément réfléchir sur la guerre, mais surtout vous fera voir d'un autre œil un cinéaste qui est beaucoup trop tombé en désuétude, dont on ne parle quasiment plus, alors que son œuvre est légendaire et que son cinéma est magnifique. Donc Voyage au bout de l'enfer, c'est un immanquable. Ainsi s'achève donc cet épisode 47 de Coin du Blu-ray. Encore une fois, j'espère qu'il vous a plu. On l'avait fait en début d'année, c'était meilleur film de Michael Cimino. Qu'est-ce qu'on pourrait faire cette fois? Meilleur film autour de la guerre du Vietnam? Dites-le moi dans les commentaires. Je pense que je vais avoir un petit peu tout et n'importe quoi, mais réellement, citez-moi votre meilleur film autour de la guerre du Vietnam. J'ai hâte de voir ce que ce sera. Je pense qu'il y aura peut-être les noms de Christian Bale qui seront cités à gauche ou à droite, ça serait tout à fait possible. Mais allez-y, mettez-les-moi dans les commentaires et je regarderai ça comme d'habitude. Et d'ici là, n'oubliez pas ce que je vous dis à chaque fois à la fin de cette émission. Il y a bien plus de secrets qui se cachent dans une jaquette de Blu-ray.